Disconnected. Donc, la première solution, c'est ça. Pour sortir de cette crise, il faut réclamer cette victoire. Voilà. Quant à l'étranger, à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, c'est très, très important. C'est important et c'est symbolique. Donc, en gros, c'est ça. Après, oh non, 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 non. Les gens qui sont indignés, ils sont fâchés là. Ok, il faut rappeler après. Tu n'as pas commencé. Déjà, comme tu dis même, c'est toi là, je te prends même plus. Parce que toi et moi, tu sais qu'on n'est pas sur le même truc. Voilà. Donc, essaye de partager, s'il vous plaît. Après, je vais vous parler du rôle de la diaspora dans cette histoire de réclamation. C'est très, très important. Vous savez, on a eu une éducation, une forme de manipulation qui dit que tous les problèmes de la Guinée se règlent à l'intérieur de la Guinée. Tous les problèmes de la Guinée se règlent en Guinée. Depuis très, très longtemps, c'est ce qu'on nous dit. On a été éduqués comme ça, à l'école, dans les familles, un peu partout. Voilà, à l'extérieur, on ne peut rien faire pour la Guinée. Tout ce que les Guinéens veulent faire, même si ce sont les Guinéens de l'extérieur, il faut venir en Guinée pour le faire. Il faut venir en Guinée pour se battre. Si vous voyez qu'il y a plusieurs personnes qui sont parties tomber en prison là-bas, c'est par rapport à cette histoire que tout se passe là-bas. Tous les combats que tu vas mener hors de la Guinée, ça ne peut pas porter. Il faut venir en Guinée pour que ça porte. D'accord, c'est très bien. Mais moi, je veux poser une question à toutes ces personnes qui pensent cela. Quel est le problème que le Guinée a déjà réglé? Depuis que la Guinée est Guinée, quel est le problème qu'on a déjà réglé? Que ce soit en Guinée ou hors de la Guinée, quel est le problème qu'on a réglé? Aucun. Parce que c'est la même histoire. C'est le problème que j'ai avec les gens. Quand ils veulent tout poser sur la tête de Alpha, j'ai dit non. Alpha nous a trouvé avec ses problèmes. Il a rajouté sa couche dessus parce qu'il y avait de la place pour rajouter. Il ne faut pas lui poser tout sur la tête. Non, je ne suis pas d'accord. Mais quel problème on a déjà réussi à régler? Aucun pour l'instant. Aucun. C'est toujours la même histoire. Quand on pose trois générations dans la même maison, quatre générations dans la même maison, dans des chambres différentes, on met une caméra cachée, ils vont parler des mêmes problèmes, tandis qu'ils ne se connaissent pas. Vous êtes d'accord avec moi? OK. Maintenant, ceux qui disent que tous les problèmes de la Guinée se règlent sur le terrain, se règlent en Guinée, je vais poser la question à ces gens-là pour qu'ils me répondent consciencieusement s'ils me regardent. Combien l'immigration apporte à la Guinée? L'immigration globale, quel que soit le pays, toute l'immigration, elle rapporte combien à la Guinée? Combien de familles sont nourries par l'immigration? Combien de familles? Plus tu as des enfants à l'étranger, mieux ta famille vit, mieux ta famille se porte. Ça fait en sorte qu'il n'y a plus d'avenir en Guinée. En Afrique, globalement, dans ce cas précis, nous sommes en train de parler de la Guinée. Et c'est quand même un pays assez particulier parce que je ne peux pas comparer la Guinée à certains pays. Voilà, parce que nous sommes, vous savez, on ne va pas encore parler des richesses là qui énervent d'ailleurs. Donc, si ces gens-là disent, c'est-à-dire nous, ils ont juste besoin de notre argent financièrement, écoutez le piège. La Guinée a été fondée et basée sur du mensonge. Je vous l'ai dit régulièrement. Quand je vois les gens taper leur poitrine que nos ancêtres ont fait, si nos ancêtres ont fait ça, et si nos ancêtres s'étaient trompés et que nous, nous partons sur cette base de tromperie, et je pense que nous sommes sur cette base-là, parce que rien ne se règle de toute façon. Quoi qu'il en soit, ça n'a jamais été, ça ne va pas. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, nous, quand il s'agit de payer, nous payons. Mais quand il faut régler les problèmes hors de la Guinée, nous ne pouvons pas les régler. Mais nous sommes en train de régler les problèmes hors de la Guinée, là. Parce que les Guinéens sont nourris à partir de l'étranger. Les Guinéens partent à l'école à partir de l'étranger. Mais pourquoi le Guinéen qui est à l'étranger, à partir de l'étranger, ne peut pas régler un problème politique? Moi, je vous pousse à réfléchir, c'est tout. Moi, quelqu'un ne va pas me dire. Par exemple, je nourris ma famille. C'est un exemple. Je nourris une famille, au moins à 70%, pour ne pas dire 1000%.
C'est un exemple. Je n'ai pas dit que c'est moi qui nourris ma famille. Moi, je viens d'une famille modeste, une famille correcte. On n'a jamais passé une journée sans avoir 3 repas. Ça, c'est un luxe pour le Guinéen. C'est très rare de voir des familles comme ça, correctes. C'est très rare si vous n'êtes pas en train de voler ou si vous n'avez pas du monde à l'étranger. Je ne peux pas nourrir une famille à 10% et que je dise à cette famille de faire quelque chose et que cette famille ne le fasse pas. Cette famille a son âme connectée à mon âme. Que cette famille le sache ou non. Les gens qui vont à l'école, c'est moi qui paye leur école. Tandis que l'éducation doit être gratuite. Mais moi, je paye cette éducation. J'ai mon mot à dire au ministère de l'Intérieur, au ministère de l'Éducation, oui ou non? Oui, j'ai mon mot à dire. Bien sûr. D'ailleurs, beaucoup à dire. Donc ça, c'est une manipulation. Ces gens-là ont su. Je vous ai dit, la Guinée a toujours été avec les chayatines. Ils savent toujours ce qui peut arriver à l'avance. Vous voyez aujourd'hui, toutes les personnes, activistes, blogueurs, qui que ce soit, on est en train de les, on les a terrassés à l'intérieur, ceux qui sont venus. Maintenant, on les pourchasse hors de la Guinée. C'est pour vous dire qu'ils savent que quelque chose peut venir hors de la Guinée. Mais c'est nous qui ne le savons pas. Je continue à vous expliquer le rôle de cette diaspora. Cette diaspora n'est pas consciente de sa force. Parce que, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Parce que cette diaspora, qu'est-ce qu'elle se dit? Moi, je vois des gens qui font des vidéos quelquefois. Quand tu discutes avec eux en coulisses, ou même leurs vidéos, ils te disent, oui, tu sais, tu perds ton temps. Les Guinéens ne comprennent rien. Mais toi qui parles aux Guinéens, toi-même, tu n'as rien compris. Parce que tu ne te rends pas compte de ta valeur et de ta force. Oui? C'est-à-dire que tu parles aux Guinéens qui sont en Guinée. Votre seule solution est que ces Guinéens-là sortent dans les rues. C'est ça votre solution. Mais tout en sachant qu'ils risquent leur vie en sortant dans les rues. Un. De deux, ce que vous oubliez, ces Guinéens qui sont dans les rues là, ils mangent grâce à toi. Donc, eux comptent sur toi pour changer leur vie. Et entre guillemets, entre parenthèses, pour changer le pays. Maintenant, qu'est-ce que toi tu vas demander à quelqu'un qui est en Guinée? Il mange grâce à toi. Il va à l'école grâce à toi. Il respire grâce à toi. Il s'habille grâce à toi. Qu'est-ce que tu vas demander à celui-là de changer dans ce pays? Ça, c'est un piège qui a été monté depuis très très longtemps. Ce qui fait que quand quelqu'un commence à se battre ici, il va en Guinée et dès qu'il rentre là-bas, il est anéanti. Tous les régimes ont procédé de cette façon. C'est pourquoi c'est le même système. Quand tu as utilisé le système, ça a marché pour toi. L'autre utilise le même système. Mais la diaspora est beaucoup plus forte et beaucoup plus puissante et beaucoup plus influente aujourd'hui qu'avant. Parce que ce que la diaspora rapporte aujourd'hui, la diaspora ne l'apportait pas avant. Sans oublier les médias sociaux et tout le reste. Non, ça n'a rien à voir. Je parle du côté moral, mental et financier. La plupart, plus de 70% des Guinéens parlent tous les jours avec leur famille. Tous les jours. Donc, pardon, ces gens-là sont rattachés à nous, qu'on le veuille ou non. Maintenant, toi, te convaincre que toi, tu comptes sur ceux-là pour changer la Guinée. Soit pour sortir dans les rues, soit pour manifester, quelle que soit la forme de manifestation, parce que même ce que je fais là, c'est une manifestation. Je manifeste ma colère, je m'exprime. Comment voulez-vous que quelqu'un qui dépend de toi, même ce qu'il veut dire, il faut que tu le guides. Comment veux-tu que celui-là prenne une responsabilité de se battre contre un système? Ça, c'est la faille. Et l'erreur des gens qui se sont battus toujours sur les réseaux sociaux. C'est une faille. Tu parles aux gens qui comptent sur toi. Et toi, tu veux compter sur ces gens-là. C'est pratiquement impossible. Pratiquement impossible. À mes yeux, pour l'instant. Et même si c'était possible, il faut dire que c'est impossible. Parce que vous savez, le mensonge aussi est devenu une dictature pour ce système. Et il n'y a que Alpha qui a le droit de mentir. Il n'y a que Alpha qui a le droit d'insulter. Tout ce que toi tu veux dire, même si c'est stratégique,
Demain, ils vont te dire que la dame-là, elle ment. Mais quand Alpha, lui, ment par rapport à ses stratégies pour vous amener sur une fausse piste, lui, il a raison. Donc, mentir aussi, c'est devenir une dictature. Tu n'as pas le droit de mentir. Tu n'as pas le droit à une stratégie. Tu n'as pas le droit à rouler les gens. Pourtant, c'est la politique. C'est-à-dire, le mensonge de Alpha, vu que le mensonge lui donne la chance, je peux dire ça, de s'imposer, d'imposer son pouvoir par le mensonge, c'est pourquoi les RPGistes, dans leur tête, la politique, c'est le mensonge. Parce que si Alpha a réussi à mentir toutes ces années et est resté à la tête de la Guinée en s'imposant avec le mensonge et avec la force, donc la politique, c'est forcément le mensonge et la force. Eux, ils ont cette preuve-là. Parce que leur mentor, leur idole, leur exemple qui les a fait rêver, il nous a tous fait rêver à un moment donné, certes, mais s'il y a des gens aujourd'hui qui s'identifient à lui, forcément, eux, ils se disent que c'est pourquoi ils passent tout leur temps à mentir. Ils en ont fait un métier, maintenant on les paye pour ça, pour mentir. Donc, dire que la diaspora ne peut rien faire, je pense que les gens vont parler ici 50 000 années, ça ne donnera pas grand-chose. Si nous, ici, on se bat, quelle que soit la force, forme de combat qu'on va mener, ils peuvent nous imiter. Parce que les gens, là, nous imitent. Ils imitent notre façon de s'habiller, les produits qu'on utilise, les coiffures. Ils vivent à notre image. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est une chose que nous avons toujours négligé. Donc, je vous invite à y réfléchir si ce que je dis est logique ou pas. Maintenant, quand je vais ouvrir l'antenne, quand vous allez venir, vous allez donner, parce que là, vous êtes en train de réfléchir. Peut-être ce que j'ai dit, c'est pas bon. Je ne vous l'impose pas. Moi, c'est mon idée. Vous allez dire autre chose et on verra. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est l'avantage. C'est l'avantage de cette réclamation. Cet avantage, c'est quoi? D'abord, tu manifestes ton mécontentement. Un. De deux, tu montres que tu n'es pas d'accord et que de nos jours, aujourd'hui, ce n'est pas possible. De trois, ça met la pression à certaines personnes qui sont autour, parce qu'il y a plusieurs groupes, on ne va pas les citer, sinon on ne va pas finir aujourd'hui. D'accord, je vais te répondre après. Tu appelleras. Le peuple là, nous aussi, on est le peuple, la colère. Moi aussi, je suis le peuple. Je peux manifester en France. Alpha, il est français. Je peux le faire ici. Personne ne va me fusiller. Et moi, je ne parle pas d'une autre manifestation. Hein. Je parle de la manifestation pour réclamer cette victoire. Parce que c'est là que tout a commencé. Donc, la colère, comme ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu, tu vas appeler tout à l'heure. Hein? Je vais finir ici parce que sinon, tu me connais, non? Ça va rallonger le truc parce que je ne vais pas arrêter. Donc, ça va les mettre la pression à ceux qui sont autour de Alpha. Parce que tous leurs problèmes à eux, Dalin a plusieurs problèmes. Il a Alpha lui-même, mais il y a les gens qui sont autour. Il y a peut-être 5 ou 10 groupes. Il y en a plusieurs. Il y a d'autres aussi qui sont cachés, qui sont en train de faire en sorte que Dalin soit affaibli. C'est pourquoi quand Dalin sera affaibli, quand il ne va pas réclamer cette victoire, et quand on ne va pas l'aider à réclamer cette victoire, pour eux, c'est bon. C'est-à-dire qu'il est seul, il est fatigué, de toutes les façons, c'est une voie sans issue. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Donc, Dalin, son cas est réglé. Alpha, on attend sa mort. Parce que même les militaires guinéens, eux, le coup d'État, c'est contre les morts. Quand je vous dis qu'il n'y a pas d'homme dans ce pays-là, c'est ça. C'est contre un mort, le coup d'État. Quand quelqu'un est mort, on dit qu'il y a un coup d'État. Mais il est déjà mort. Attendre la mort de quelqu'un, ce n'est pas un combat. Moi, je peux mourir. Si Allah le veut, je peux mourir d'ici là où je suis. Personne n'a rien gagné parce que je suis destiné à mourir. Que quelqu'un meure, que quelqu'un te tue, ça c'est autre chose. Mais que tu meurs d'une mort naturelle, c'est-à-dire d'une maladie, de la vieillesse et tout, ça peut arriver à n'importe quel moment. C'est quelqu'un qui est vieux, il est âgé. C'est tout à fait logique et tout à fait normal. Donc, s'il y a des gens, des militaires qui attendent cela, ça ce n'est pas un combat. Ça, ce n'est rien du tout. C'est même.
C'est déplorable. Maintenant, le quatrième point, c'est les erreurs à ne pas commettre. Les erreurs à ne pas commettre, c'est quoi, par exemple? C'est quand les gens te disent tout le temps que c'est une révolte populaire qui va faire partir Alpha. Parce que vous pensez que Alpha, lui, ne regarde pas les vidéos. Ou bien vous pensez qu'il passe tout son temps, qu'il est sous 24 heures sur 24. Oui, il est sous tout le temps. Mais quand on parle de son drone, il se dessoule très rapidement. Donc, il regarde tout. Si vous voyez qu'il a mis des trucs à gauche, à droite, c'est pour ça. C'est pour ne pas que les gens puissent se lever. Vous comprenez? Voilà. Donc, dire cela régulièrement, c'est comme si vous me dites que, ah, moi, on va signaler la page de Marie quand elle va tenir tel propos que, Facebook interdit. Moi, je sais cela. Mais je vais tout mettre pour interdire ses propos, pour éviter de dire ça. C'est tout à fait logique. Ça fait combien de temps qu'on dit que ah, c'est un coup d'État qui va prendre Alpha Condé? Il sait cela, il a tout ficelé, l'armée, c'est réglé. Après, c'est un soulèvement populaire. Mais il fait tout pour acheter à gauche, à droite. Mettez-vous à sa place. Donc, même s'il y a des trucs qui doivent se passer, je pense qu'à l'interne, excusez-moi, il faut faire de la diversion, enlever la tête des gens par là-bas. Nous, par ici, on ne risque pas grand-chose. Et puis, Alpha est français. Lui, il a marché partout dans le monde entier. Il n'a pas ce qu'il n'a pas fait dans le monde entier. Maintenant, attendre que ça vienne de la Guinée. Je ne dis pas que c'est impossible. Même si c'était possible, c'est les mettre en danger encore de plus en plus. Depuis qu'ils ont parlé de manifestation la fois dernière, il paraît qu'ils ont commencé à parler de port du masque. Ils ont commencé à aller dans les boîtes, rafler. Ça, c'est très bien, rafler les gens dans les boîtes. Ça fait des années qu'ils dansent, ça ne donne pas grand-chose. Je pense qu'ils doivent se reposer maintenant. Et je ne sais pas, ils font des trucs à gauche, à droite pour que les gens restent tranquilles. Vous voyez, ça aussi, c'est pas mal. Parce que ça aussi, ça met une forme de pression à la population et ça les dégoûte de Alpha, ça les énerve. C'est-à-dire, ils le détestent encore plus. C'est à double tranchant. Ça, c'est le numéro 4. Maintenant, il ne faut pas oublier un point. Ne jamais reconnaître cette histoire de victoire, tous ceux qui se battent. Parce que si tu ne te bats pas pour cette victoire, ça c'est mon point de vue, c'est que tu valides Alpha. Oui, quiconque ne se bat pas pour réclamer cette victoire, même mentalement, tu as déjà validé Alpha. Ça c'est clair, et c'est ce que lui veut. Et toutes les ethnies sont en train de se préparer. Moi je ne suis pas là pour me faire des amis, hein. Non, les amis, j'en ai déjà. Et puis, c'est bon, si c'est pour parler des mèches et des sacs, ça suffit. Je suis fatiguée de ça, j'ai déjà fait ça plusieurs fois, je n'ai même plus le temps là. Toutes les ethnies se préparent. Donc, ethniquement, on veut l'affaiblir. Oui, on veut affaiblir celle-là ethniquement. Mais si vous, si l'UFDG, parce que tous les partis politiques sont à base ethnique, ça, ce n'est pas un débat. Il ne faut pas avoir honte de le signaler. Si cette fois-ci, si cette fois-ci, seul vous rate ça, il ne se bat pas jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à ce qu'on dise que non, le gars, c'est Dieu, c'est bon maintenant, ça va, c'est le même mort dans l'affaire là. Les peuples seront les papiers toilettes de toute la Guinée, jusqu'à la fin de toute l'humanité. Si vous êtes fort, que je ne me réveille pas demain matin, moi je m'en fous. Si cette histoire de peuple là n'est pas réglée, la Guinée ne sera jamais tranquille. Si on parle ethniquement, c'est leur tour. C'est ça qui vous fait mal, mais c'est leur tour. Et le monsieur là, il a gagné. S'il l'a gagné, cette victoire, nous allons la réclamer. Voilà. Je vais progresser. Une autre erreur à ne pas commettre. Arrêtez de penser que c'est le fin de règne de Alpha Condé. Enlevez ça dans votre tête. Comment tu peux penser que tu es en conflit avec quelqu'un? Tu penses qu'il est déjà à terre, mais ça va diminuer ta force. C'est logique. Ça va diminuer ta force. C'est comme les gens qui pensent depuis des mois, ah, laissez celle-là, qu'elle va se fatiguer, elle va se taire. Je me suis fatiguée. Je ne me suis pas fatiguée. Je parle toujours. Ou bien, maintenant, qui s'est trompé? C'est eux ou c'est moi? Maintenant, comment l'histoire va finir? Ça, c'est autre chose.
Donc, arrêtez de penser ça. Non, ça, c'est les signes de fin de règne, c'est des conneries. Ah non, 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 quand c'est couturé, mouré, il y a eu ça. Mais la mort de quelqu'un, c'est pas. Mais arrêtez ça, la rapide. Ah, dis donc. Quoi d'autre encore? Le fait de dire que Alpha Condé n'entend que le langage de la rue. Vous savez, ça, c'est la culture française. Les Français, ils manifestent pour tout. Et c'est un Français. Cette histoire de manifestation de rue, c'est lui qui a amené ça en Guinée. Donc, politiquement, ce n'est pas bon pour lui. Politiquement, quand il y a des manifestations en Guinée en ce moment-là, ils disent tous qu'ils n'ont pas peur des Occidentaux, c'est faux. Ils ont peur d'eux. Ça, c'est même pas un débat. Ils ont peur d'eux. Ils ont vraiment peur d'eux. Partagez la vidéo et mettez les cœurs. Je ne suis pas payé comme les bons à rien. C'est ça mon salaire. Merci. Dire qu'ils n'ont pas peur des Occidentaux, c'est archi faux. Ils ont peur d'eux. Tous les hommes politiques africains ont peur des Occidentaux, y compris Alpha Condé, même en première liste. Voilà. Il ment. C'est archi faux. De toutes les façons, il ment chaque fois. Donc, arrêtez de penser que, c'est-à-dire Alpha, il a fini, il va mourir. Arrêtez ça. Non, 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 ça m'énerve plus que tout. Maintenant, cette histoire de langage de la rue, là, hors de la Guinée, ça le salit. Mais s'il y a des morts, spirituellement, ça l'arrange. Parce que eux, c'est ce que leur chayatine mange. C'est tout. Donc, cette histoire de manifestation, c'est à double tranchant. Maintenant, ce qui leur fait mal, c'est juste pour cette histoire de manifestation. Je vous ai dit, Alpha Condé, c'est comme une fille du quartier. Vous connaissez les filles du bas quartier, là, comme elles réfléchissent petit, petit. Même quand tu les regardes, ah, elle m'a regardé comme ça. Oh, même si. Non, 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 elle a dit ça, c'est à moi qu'elle parle. Non, tu sais, quand je passais là-bas, elle a fait, ah, non, non, tout de suite, c'est la bagarre. Alpha, il est comme ça. Il est très petit d'esprit. C'est une petite personne. Très petit. Il est trop enfantin. Le fait qu'on dise que ce sont les jeunes de l'UFDG et je crois les femmes, en tout cas ce sont les militants de l'UFDG qui insistent sur cette manifestation, ça, ça lui fait mal. Si ça venait des cadres, là ça va, c'est bon. Ça, ils s'en foutent. Mais le fait que ça vienne des militants et que tout a été mis en place pour que les militants soient découragés, tout a été mis en place pour que ce cellulaire soit détesté de tout le monde, je pense que sa cote de popularité est en train de monter. Dieu aime la vérité, mais il aime les patients et les endurants. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas 50 000 solutions de sortie de crise. Parce que si cette victoire n'est pas réclamée et que Alpha meurt là où il est, avant qu'on ne parle de mort, ça va mettre la pression à d'autres fripouilles qui veulent venir au pouvoir parce qu'il y a des gens qui sont prêts et dès qu'ils voient que l'UFDG court à gauche à droite, l'UFDG ne veut pas lâcher l'affaire, ça leur met la pression à eux aussi. Ça leur met la pression, chacun fait sa pression à gauche à droite, toute cette pression retombe sur Alpha. Ça, c'est pas beau. Donc, cette victoire-là, nous allons la réclamer. Ça, c'est le rôle, normalement, si la Guinée était une famille, ça, c'est le rôle des autres personnes qui ne sont pas de l'UFDG. Parce qu'il n'y a pas 50 000 solutions. C'est la meilleure des solutions. Si on se retrouve avec une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept personnes, tous veulent ce même pouvoir, tandis qu'il y a quelqu'un qui a déjà gagné, mais quelle haine, quelle bêtise humaine. Comment les gens peuvent être méchants à ce point? Comment lui-même peut être méchant? Il y a quelqu'un qui a gagné. Mais vous voulez tous cette place-là. Pourquoi vous ne vous êtes pas présenté pour les élections? Même les gens qui sont dans l'armée autour, mais il fallait vous présenter. Vous auriez pu vous présenter. Oui. Mais vous avez fait semblant d'être derrière Alpha. Soi-disant quand il va mourir. Mais il y a d'autres ethnies aussi qui sont prêts par-ci, par-là. Mais toutes ces ethnies-là ont déjà goûté au pouvoir. On a vu leur gouvernance, ce que ça a donné. Nous voulons voir la gouvernance du peuple.
C'est le seul mystère qu'on n'a pas encore découvert. C'est ça le changement. Ça, c'est une tête qu'on n'a jamais vue à la tête de la Guinée. On veut voir ça. On les voit en économie, dans les études, sur tous les plans, dans tous les domaines. Moi, je veux les voir là aussi. Voir ce qu'ils vont faire. Oui, c'est ça le changement. Voir ce que tu n'as pas l'habitude de voir. Voir une personne à une place qu'il n'a jamais occupée. Pour l'instant, nous n'avons pas eu cette occasion. Nous n'avons pas eu la chance d'avoir cette découverte. Moi, je veux avoir, je veux vivre cela. Je vous l'ai dit plusieurs fois, je veux le vivre. Et pour le vivre, moi, je dis que moi, Marie Sissoko, je vais réclamer cette victoire. Inch'Allah. Oui, je vais mettre un truc en place. Je le ferai. C'est mon droit. Je suis guinéenne. C'est symbolique. Je suis Sissoko. Je ne suis pas Diallo. Je ne suis pas Bar. Je ne suis pas So. Je ne suis pas Baldé. Je ne suis pas Peul. Ça, c'est un début de réconciliation. Oui. Ça, c'est une forme de réconciliation. Vous préférez, vous, les 5-10 groupes de toute ethnie confondue, des lâches, hommes politiques lâches, élites du pays lâches, se battre contre ce monsieur, l'affaiblir lâchement et passer tranquillement, aller vous asseoir au pouvoir. Mais on est dans quel monde? Ça, c'est quel monde, ça? Ça, c'est de l'utopie? Ça ne peut pas réconcilier un peuple? Non! Ça ne peut pas réconcilier les gens. Vous pensez que tous les groupes là, chacun va laisser pour l'autre, mais ils vont se massacrer? Ils vont se massacrer et il y aura des répercussions sur la population. Il faut penser à cela. Il ne faut pas penser à ce loup-là. Non! Vous préférez ce carnage que d'avoir ce loup, tandis qu'il a gagné. Mais cette haine-là, elle vient d'où? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je veux comprendre. Donc, ceux qui vont appeler, vous pouvez commencer à appeler maintenant. Et j'ai besoin de savoir un truc, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Le jeune qui a répertorié les fausses promesses de ce délinquant politique qui est Alpha Condé, parce qu'il y a des gens qui sont fâchés que j'ai dit qu'Alpha c'est un délinquant politique. Mais c'est un délinquant politique. Dans la vie, un délinquant, il est comme un délinquant ne respecte rien. Alpha en politique, il ne respecte rien. Il n'a pas de promesses qu'il respecte. Il n'a pas de paroles qu'il respecte. C'est-à-dire, c'est une déception. C'est une déception. Mais comme vous avez un peu l'en face, vous voulez liquider le peuple. C'est le peuple là que moi, Marie Sissoko, je veux. Et comment on va faire? Et Marie Sissoko est téméraire. Dit. Ah, je suis téméraire, dit, je ne vais pas lâcher. Quand je vais savoir que seul n'a pas gagné, avec preuve à l'appui, je vais laisser l'affaire. Mais il n'y a pas de possibilité pour que je laisse tomber ce truc-là. Et je vous ai dit, je vais grandir, Inch'Allah. Oui, c'est un mandat de 6 ans. On devait reconforter ce monsieur-là. Au passage, reconforter son ethnie. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de morts de ce côté-là. Toutes ces 10 années-là, Alpha a massacré les peuls comme des petits poulets. Comme des petits poulets. Nous étions tous là, toutes les ethnies. On les a regardés sans bouger le petit doigt. Oui, et ce n'est pas bien. C'est le moment de leur essuyer les larmes avec ces résultats. C'est ça leur récompense. Oui. Celui qui appelle un inconnu, il faut appeler avec un numéro que je vois. Moi, je suis là, tu me vois. Sois ton numéro. Ceux qui veulent appeler, appelez correctement. Le numéro de la France, ça sera le 06 27 85 89 96. Ça, c'est la France. Ceux qui sont hors de la France, 00 33 6 27 85 89 96. 00 33 27 85 89 96 pour ceux qui sont à l'étranger, hors de la France, en WhatsApp ou comme vous voulez, si vous avez la possibilité d'appeler, les moyens d'appeler, je ne sais pas moi. Donc voilà. Quelqu'un se présente, ça fait des années qu'on se bat contre lui. Bon, moi j'ai trouvé les gens dessus. Hein. En tout cas, beaucoup de personnes se battent. Il y a une personne qui gagne, on lâche la personne en cours de route. Oh, soi-disant, c'est lui a trahi le FNDC. Soi-disant, c'est lui s'est présenté, c'est bien fait pour lui, il n'a qu'à se débrouiller.
Donc, vous préférez garder Alpha. Mais le combat que vous menez contre Alpha, à quoi ça remet alors? Parce que tout ce qu'on dit aujourd'hui, Alpha s'en fout. La seule chose que Alpha, que ça dérange, c'est cette affaire de cellules. Tout le reste, là, il s'en fout. Il s'en fout complètement. Et vous le savez. Mais vous ne voulez pas donner le poids au monsieur. Ah, moi, je suis là. Je vais même en faire un métier parce que ça dérange les gens tellement. On me menace tellement. J'ai dit, eux, les instructeurs, eux, se reposent d'abord parce qu'ils disent que, ah, que moi, quand on m'insulte, que je comprends rien. J'ai dit, parce que je ne regarde pas. Donc, comment ça va me faire quelque chose si je ne regarde pas? Vous pensez que je n'ai rien à faire? Attendez. Oui, attends, je vais mettre sur. Oh là là, oh, ça commence encore. Faut pas parler, hein. Je sais que toi, là, tu me guettes depuis longtemps. Donc, oh là 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 là. Ça me cause un petit souci, là. Attends, je finis ça. Voilà. Et puis, je te rappelle moi-même. Je vais te rappeler moi-même. Hein? OK, là, c'est bon. Excusez-moi, je vais appeler cette personne. Il a appelé plusieurs fois. La colère, je t'attends, hein, mais tu n'es pas prioritaire. Tu connais mon nom, Wonder Fee. Faut qu'on y ait gassé. T'as gagné ta. T'as gagné ta mona prioritaire. Monsieur, je vous appelle, hein, celui qui a appelé tout à l'heure, là. Je vous appelle moi-même. J'avais un petit Allô? problème. Oui, comment ça va, mon frère? Oui, vous allez bien, madame? Très bien, Dieu merci. J'avais un petit souci, mais c'est bon. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tes auditeurs. Tout le monde vous salue. Voilà, je voulais juste intervenir il y a toutes les minutes à Allez-y, propos allez-y. de tes sujets du jour. Oui. D'ailleurs, j'ai fait une petite remarque. Oui. Je ne sais pas si c'est la solution que vous voulez parler ou quoi. Il y a une au niveau de c'est pas grave. Et celui qui a écrit, excusez-moi, c'est mon mari qui a écrit les titres. Je l'ai envoyé par SMS. Il a dû faire plus Il foot. était précis, alors. Non, il n'y a Voilà, pas il de souci, dit. on a compris. Bon, concernant la solution dont vous envisagez, je ne pense pas, parce qu'il y a des choses qu'on devrait se dire en face. Oui, c'est vrai. Le problème du troisième mandat d'Alpha Condé, parce que quand tu prends les 90% des Guinéens, je peux le dire consciencieusement, Vous entendez? ils n'étaient pas d'accord. Oui, c'est vrai. Voilà, mais tu sais, la politique, c'est une chose qu'on ne maîtrise pas. Oui, c'est vrai. Personne ne le maîtrise. Oui. Parce que c'est un truc de mensonge, comme tu viens de le souligner. Oui. Mais la seule solution et la seule manière pour se débarrasser toujours à un mauvais gouverneur de pays en Afrique, d'abord, c'est la conscientisation du peuple. Si le peuple ne sait d'abord pas ce qu'il veut, ça va être un peu difficile. Oui, vous Pourquoi? entendez? Pourquoi? D'ailleurs, Oui. surtout moi, ceux qui me révoltent souvent, moi je ne suis pas pour Alpha, je ne suis pas pour Paul, je ne suis pas pour Pierre. Mais moi je regarde la manière dont les gens qui sont devant les partis politiques veulent gouverner le pays. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Parce qu'à chaque fois, Alpha Condé, pour le moment, la solution que moi j'envisage, là où nous sommes, Oui. c'est d'avoir une coalition politique pour préparer l'avenir, ou pour préparer même ce qui va venir demain ou après-demain, parce qu'on ne sait jamais. La vie Oui. peut se changer en un clin d'œil. Oui, c'est vrai. Donc il faut être prêt pour Oui. ne pas qu'après, si les gens ne sont pas prêts, ce qui va arriver, ça va nous surprendre. Et qui sait si le pays va tomber dans un risque, dans une crise où personne ne pourra maîtriser. Oui. Donc, la solution est quoi pour le moment? Parce que je vois l'incapacité, j'ai vu, moi je voyais ça depuis longtemps, l'incapacité de l'opposition guinéenne. Ils ne pouvaient pas. Oui. La seule personne qui pouvait, c'est-à-dire qui se tenait la poitrine devant Alpha, c'était sur lui. Et tout le monde a vu comment les choses ont été manigancées jusqu'à Alpha Condé pas. Oui. Et personne n'a pu résister. Ça, c'est vrai, c'est réel. Oui. Maintenant, la solution maintenant qui se pose,
Il faut que se mettre dans la tête, même en encore essayer de former une coalition de l'opposition forte pour combattre tous les. C'est-à-dire ce qui se passe actuellement ou pour le futur. Oui. Parce que sur l'ensemble, là, on ne le souhaite pas. Moi, je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Une minute, hein. Vous entendez, non? Oui. Écrivez et envoyez le cœur, s'il vous plaît. Voilà, moi, je vais vous poser une question. Pourquoi former une coalition puisqu'on a déjà quelqu'un qui a gagné? Un. De deux, c'est ce que je vous dis. De deux, ethniquement, ces gens-là n'ont jamais gouverné le pays. Et on sait qu'ils ont eu beaucoup de victimes. Non, on ne parle pas de ça. Il ne faut pas aller là-bas ethniquement. Non. Mais non, mon frère, moi, je suis sur les réseaux sociaux. Non, je le vois dans les vidéos. Écoutez-moi. Je le vois dans les vidéos, je le vois dans les commentaires, régulièrement. Cette histoire de peuple est un grand, gros problème. C'est un énorme problème que le peuple lui-même ne peut pas régler. À l'instant T, écoutez-moi. Le monde n'est plus à ce niveau. Le monde est à ce niveau, mon frère. Le monde est même plus loin. Voilà, je ne suis pas d'accord. Ah, moi, je suis d'accord. Moi, je suis là. Je suis sur les réseaux sociaux. Je vois les commentaires. Les gens m'appellent. J'ai des vocaux. Je ne mets pas des vocaux ici pour ne pas donner de l'importance à certaines personnes. Moi, je ne suis pas dans cette optique. Moi, je suis dans cette optique. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas peul. Mais je suis dans cette optique. C'est une solution. Déjà, il a gagné. Pourquoi ils n'ont pas fait une coalition dès le début? Pourquoi? Mais toi-même, tu sais comment les choses se sont passées. Voilà, comment les choses se sont passées, vous savez? Écoutez. Oui. Juste quelque chose, je vais être clair sur ça. Avant qu'ils étaient ensemble, quand ils ont formé le FNDC, le FNDC était tellement fort que, avant qu'on ait même tremblé, ils ne pouvaient même pas dormir. Oui, c'est vrai. À un moment donné, tu vois la dispersion. L'autre va de l'autre côté, l'autre va de l'autre côté, l'autre dit moi je vais participer à l'élection, l'autre dit je renonce. Et après tout, il est venu se présenter. Oui. Okay. Il s'est présenté. Logiquement, même s'il a gagné, moi je ne peux pas le contribuer. Mais de fait qu'il avait critiqué le tissu, il a critiqué la série, la façon dont les élections veulent être organisées, il a contesté tout. Et à la dernière minute, il s'est présenté. Ma soeur. Je peux répondre à cette question. Je peux répondre. C'est très bien ce que vous venez de dire. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire le mensonge est même devenu une dictature. Donc, si c'est lui à jouer ce coup-là cette fois-ci, il est dans son droit de jouer ce coup-là. Maintenant, les gens veulent le faire regretter cela. Quant à même s'il faut garder Alpha, mon frère, même s'il faut garder Alpha et avoir le risque, ce que vous venez de dire, peut-être vous n'avez pas écouté, j'ai dit, on a le risque qu'il y ait entre 5 et 10 groupes qui vont se battre sur ce champ-là. Vous voyez, moi, à la place de ces loups, moi, j'ai dit, moi, Marie Sissoko, je ne vais pas céder et je ne ferai de coalition avec personne. Ça, c'est moi, hein. Moi, je ne suis pas de l'UFDJ. Je le dis tous les jours. Je ne suis pas de l'UFDJ. De deux, moi je ne travaille pas pour l'UFDJ. De trois, ils ne sont pas obligés d'écouter ce que je dis. Hein. Mais de quatre, je n'ai pas 50 000 solutions aujourd'hui pour combattre ce système si ce n'est pas me rallier à ces mots. C'est ce que la plupart des Guinéens auraient pu faire aujourd'hui à l'instant T. Parce que la personne qu'on a là-bas, il ne peut pas, y aller autrement. Écoutez-moi, mon frère. C'est une Guinée, c'est un droit absolu. Ça, c'est vrai. Hey, vous êtes à 7 minutes. Vous êtes à 7 minutes. Hein. Je vous ai gratté quand même 2-3 minutes. Donc, je vous laisse 2-3 minutes encore. Allez-y. C'est intéressant ce que vous dites. Voilà. Élection 2000, c'est le, comment dirais-je, le deuxième mandat d'Alpha Condé. D'abord, Alpha Condé, le premier mandat où il est parti en deuxième tour avec Cyril Houdelle. Qui était troisième? Je ne sais pas si tu as trouvé. Il paraît. Maintenant, voilà, c'est Fidel qui était troisième. Maintenant, quand ils ont demandé la coalition pour partir en deuxième tour, les propositions que s'il avait proposées à Fakone, il a refusé. Automatiquement, tu vois la politique tellement qu'il était sale. Oui. Automatiquement, s'il est parti se rallier derrière, c'est lourd. Imagine-toi toutes les forces qu'ils ont mises en ce moment pour que c'est le pas, ça n'a pas abouti. Oui. Maintenant, en 2000, le premier élection qui vient de se passer, ce n'est même pas une élection, c'était une mascara. Ce qui était bon, moi, selon mon analyse, Delen pouvait se maintenir derrière le FNDC, même si nous avons tout le monde.
Je te jure, en ce moment où nous sommes, ça se voit qu'Alpha Condé n'est plus le président de Guinée. D'accord. Si ça tenait juste D'accord. la force, Moi, c'est-à-dire la force de la FNDC. ça c'est Bon. si. Ça c'est si. Ça c'est si. Vous comprenez? Ça c'est si. Mais là où on se trouve aujourd'hui, écoutez très bien ce que je vous dis. C'est celle où les bandits qui sont encore plus bandits que Alpha. Il faut choisir parmi ces deux groupes-là. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, monsieur. On a celle Bon, de maintenant, l'autre côté en tout et cas, on a tous ces groupes-là. Maintenant, actuellement, on va pas faire payer à celle loup parce qu'il s'est présenté à la dernière minute. Moi, je suis très on contente. ne fait pas payer. À On ne part fait pas cela, payer, mais il ne fait pas laissez-moi finir. Laissez-moi payer. Il ne finir. fait pas À payer. part cela, Parce que là, moi, il ne fait pas payer. je n'appelle pas ces élections une mascarade. Moi, je n'appelle pas cela. Parce qu'il y a eu des morts, mon frère. Il y a eu des morts. Et Alpha n'appelle pas ça une mascarade, puisqu'il dit qu'il a C'est comme gagné. dans tout. Alpha dit qu'il a gagné. La Celle majeure nous dit partie qu'il a des pays gagné. africains, les élections, il y a des morts. Mais voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais vous laisser et appeler quelqu'un d'autre. Vous êtes 9 minutes 24, mais je vous ai gratté beaucoup de minutes quand même. Je vous ai N'y a beaucoup pas de coupé. C'est souci. très, très bien. Merci. J'ai beaucoup apprécié parce que ce sont des questions que les gens posent régulièrement et que j'ai eu l'occasion de débattre avec vous. Je ne sais pas si vous allez peut-être rappeler plus tard. On va donner l'occasion à d'autres personnes parce que je vais, Il comme n'y j'ai a fait pas avec vous, je vais rappeler d'autres personnes, de Inch'Allah. souci. Merci beaucoup Merci. et bonne soirée. Et bonne écoute à tes auditeurs. Merci, Merci. merci beaucoup, mon frère. Merci. Ouais, À bientôt, merci. Inch'Allah. Je vais appeler quelqu'un qui a rappelé tout à l'heure, qui est en France ici, que son numéro finit par 90. Si vous êtes en ligne, je vous rappelle, Inch'Allah. Voilà. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô? Bonsoir, vous êtes en direct et vous avez appelé tout à l'heure plusieurs fois. Oui, justement, je vous ai appelé, je souhaite intervenir en fait. Allez-y, bonsoir. Bonsoir. En fait, je vous appelle par rapport à l'alliance qu'il y a eu aujourd'hui, l'alliance, la charte de l'alliance pour l'ANAD aujourd'hui entre M. Séloudan et les autres partis de coalition. Voilà. Donc, en fait, je trouve que c'est une très bonne chose parce qu'il faut toujours qu'il y ait de la solidarité. Vous savez que M. Sélou, il est toujours brimé dans ce pays-là, voyez-vous. Donc, raison pour laquelle il faut toujours qu'il y ait des forces pour l'appuyer. Parce qu'aujourd'hui, l'UFDG est le seul parti politique qui est capable de provoquer l'alternance dans ce pays-là. Il ne faut pas se voiler la face. Donc, tous ceux qui critiquent Sélou Dalein aujourd'hui, c'est parce qu'ils savent que c'est une force tranquille. Voyez-vous. Tout à fait. Voilà. Donc, moi, je sais que beaucoup de personnes aujourd'hui, ils sont dans la critique sans pouvoir proposer. Et quand le monsieur, il envisage d'autres possibilités pour pouvoir contrer le pouvoir en place, ils sont dans la critique permanente. Voyez-vous. Donc, moi, je suis fondamentalement en accord par rapport à ce qu'il a fait aujourd'hui. Et il faut toujours ratisser l'arche. Il faut pouvoir, en fait, aller vers les, faire une ouverture vers les autres pour consolider l'alliance afin de pouvoir continuer le combat. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Et tous ceux qui critiquent aujourd'hui Sélou Dalein ne savent pas que c'est une valeur sûre que le pays a aujourd'hui pour pouvoir, en fait, provoquer l'alternance dans ce pays-là. Donc, les gens qui se basent sur des critères ethniques, alors que le monsieur, il est loin de ça, tous ceux qui sont même dans la mouvance présidentielle le savent. Mais comme c'est le combat politique, c'est de bonne guerre de l'accuser de tous les péchés d'Israël. Mais je pense que le combat va être atteint un jour. Il faut toujours combattre, tenir bon, co toujours défendre les valeurs pour lesquelles nous nous battons. Et Inch'Allah, un jour, ça va marcher. Voilà. Inch'Allah. Merci Voilà. beaucoup. Donc, voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie, mon frère. Merci beaucoup. Merci bien. Kaba Baba, vous voulez amener les enfants à l'abattoir. Kaba Baba, je pense que toi aussi, tu peux faire une campagne de sensibilisation pour que les gens ne tirent pas sur eux, puisque eux, ils seront pas armés normalement. Donc, je pense que toi aussi, c'est ça ton travail. Je te donne ce boulot-là quand nous, on les pousse. Depuis qu'on manifestait
Ça veut dire de mourir. Tu viens tomber sur un direct, tu ne sais même pas ce que je dis. On peut manifester hors de la Guinée aussi, hein, parce que c'est nous qui faisons vivre la Guinée. C'est la diaspora qui fait vivre la Guinée. L'État n'existe pas. C'est la diaspora qui fait vivre ce pays-là. Et que cette diaspora ne puisse pas faire quelque chose hors de ce pays pour déstabiliser un... Alpha sait qu'on peut le déstabiliser hors de la Guinée. C'est pourquoi il sait qu'on peut le déstabiliser. Même devant une caméra, il le sait. Mais c'est nous qui ne le savons pas. Mais moi, je le sais maintenant. Moi, j'ai compris. Moi, j'ai compris quelque chose que certaines personnes n'ont pas compris. Mais certaines personnes pensent que s'ils ne se rallient pas à moi, que je vais me fatiguer. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire en Dali. Ils ne sont pas fatigués. C'est moi qui vais me fatiguer. Je ne vais pas me fatiguer. Là où on est là, on n'a pas 50 000 choix. C'est comme une femme enceinte. Si ce n'est pas césarien, c'est voix basse. Ça ne sortira pas dans la bouche. Comment on fait? Si ce n'est pas Dali, on aura affaire à 10 groupes ou 5 groupes qui ne vont pas. Et même des femmes à nous faire bouger. Donc voilà, c'est à vous de voir. Allô? Allô? Avant de commencer, bonsoir, bonsoir. Éteignez le truc derrière là-bas, pardon. Comment on appelle ça? La télé. Oui, oui. Il faut diminuer la télé. Comment on appelle ça? Ok, oui. Allô? Voilà, c'est ça. C'est bon là-bas. Maintenant. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Bonsoir. Comment ça va? Oui, ça va, ça va. Je suis Diallo Mamé. Oui, monsieur. Je suis Guinéen, résident en Côte d'Ivoire. Oui, oui. Comment ça va? Vraiment, je suis côté, c'est pas vous direct là, tellement que les sujets que vous abordez sont pertinents. Mm-hmm. J'aimerais juste apporter ma petite contribution à cette direct que vous êtes en train de faire pour éveiller la conscience des jeunes générations guinéennes. Mm-hmm. Je pense qu'aujourd'hui, l'alliance qui est née aujourd'hui, c'est une alliance qui est déjà victorieuse, c'est une alliance qui va vers la victoire, c'est une alliance qui va vers la formation d'un nouveau gouvernement d'union nationale. Mm-hmm. Partagez la vie. Je vais profiter de la zone d'appel à des politiciens qui sont des politiciens sérieux, des politiciens vraiment qui n'ont pas d'ambition. Mm-hmm. À quel sens vous voulez, qui est M. Baoubri, M. Sankaba, M. Sikhatre, ces politiciens jaloux. Mm-hmm. Ça veut dire qu'ils veulent que ça passe, mais ils veulent que tout qu'il soit devant. Oui. Ils ne savent pas qu'ils sont devant, ça ne va pas changer. Oui. Parce que c'est comme si ça ne nous apporte rien. Oui. Ça ne nous apporte rien de changement. Oui. Je pense qu'il est temps que s'ils veulent le changement, s'ils veulent l'alternance, mm-hmm. les temps qu'ils viennent appartenir à la coalition qu'on appelle l'ANA, mm-hmm. nous donner juste notre force. Et enfin, maintenant, qu'on aille mettre dehors, qu'on est hors de nos frontières, hors de nos canards, pour qu'on puisse réfléchir à nous développer, réfléchir à changer tout ce qu'il y a à changer, pour nous permettre de rentrer dans nos pays et de vivre vraiment comme tous les autres pays du monde, comme leurs citoyens. Vivre normalement. Parce que le Guinée, vraiment, nous sommes vraiment malheureux. Très malheureux. Très, très malheureux. Très, très malheureux. Nous vivons vraiment. Nous vivons mal, nous vivons mal. Ils se sont même appropriés le malheur. Donc, je pense que cette coalition qui est née, moi-même, je ne l'appelle pas pour coalition, je l'appelle le nouveau gouvernement de la République de Guinée. C'est ça, moi, je l'appelle. Et je pense qu'il est temps que la NAS, qui comprend qu'ils ont une force dans la population derrière, il est temps qu'ils commencent à réfléchir, à nommer leur gouvernement. Parce que je pense qu'à part comme il est président, mais il ne gouverne que les militaires. Non, la population, nous, on ne reconnaît pas cette dictature. Donc, je pense que l'ANA ferait mieux de former son gouvernement et puis commencer à mettre la réconciliation en place. Mm-hmm. C'est voilà. Donc, je pense que ceux qui interviennent là, qui disent qu'ils vont envoyer les enfants à l'abattoir, c'est des personnes à non grata. Mm-hmm. Depuis quand on voit dans un pays, un manifestant doit être tué. Oui, c'est automatique, quoi. Mm-hmm. Même à la guerre, quand l'ennemi est désarmé, on n'a plus le droit de tirer sur l'ennemi. Donc, ils arrêtent de nous emmerder avec leur histoire d'amener les enfants à l'abattoir. Si ils ne veulent pas se manifester, ils ne vont pas se faire peser à la maison, ils laissent l'enfant. Donc, si je comprends bien, la loi de la Guinée est devenue la loi d'Alpha Condé. Oui, oui. Personne ne doit sortir pour exprimer son mécontentement. Donc, si c'est devenu. Moi, ce que je veux. La nouveauté. La nouveauté dans cette histoire-là. Ceux qui interviennent et qui essaient de dire que les manifestations, c'est ça, c'est la même chose. Ils nous disent qu'ils se manifestent pas et puis on ne veut pas de leur participation qu'ils se fait. C'est tout. Mm-hmm.
Si tu ne peux rien dire, tu dois le faire, c'est tout. C'est-à-dire, tu es libre à toi d'aller agiter, à te tourner à main. On dit, on n'en veut pas, on va se battre, on va dégager cette dictature. On a besoin, d'être guinéen, pur, guinéen, soutien, guinéen, malentier. On a besoin d'être guinéen, un point, un trait. Et quand on observe cette coalition aujourd'hui, on regarde qu'il y a une coalition de la Guinée. Ce n'est pas une coalition pure, ce n'est pas une coalition pour les ni malentier, ni soutien. Et la Guinée que nous voyons aujourd'hui, on a dit mettre aujourd'hui. Donc, cette personne qui vient de dire ici, les manifestations, si cela est ça, ils arrêtent de nous embrouiller, c'est tout. Voilà. Je pense que moi, c'est le nouveau gouvernement qui vient d'être formé. C'est le seul gouvernement que je reconnais en Guinée. Si vous voyez même la manière qu'ils ont formé la coalition aujourd'hui, ils ont été très, 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 très explicites. Si il y a une personne au sein de l'esprit qui comprend, c'est le nouveau gouvernement qui vient d'être nommé. Mais je pense que beaucoup n'arrivent pas à comprendre ça. Sinon, ils ont nommé ceux qui sont chargés de la réconciliation, des affaires extérieures, des tentatives patronales. Si tout va tout ça, là, ce n'est pas un gouvernement qui vient d'être nommé alors. Et les gens se réveillent. Alpha Condé, il est seul face à son palais, ne fait que contempler les choses, les mêmes qui sont au palais, mais si il ne gouverne personne, il ne contrôle rien. C'est un peu d'espoir. Voilà, à toutes ces personnes qui passent venir nous intimider, nous écraser pour ne pas qu'on se manifeste, ils sont en train de tirer à l'air. Parce que si manifester, c'est un droit, je pense pas qu'on a le droit de protéger quelqu'un qui tue les manifestants. Les manifestants, ce sont pas des étrangers, ce sont pas des gens armés, c'est les citoyens des pays qui manifestent. Pourquoi ne pas encadrer la manifestation? Écouter la revendication, c'est ça le rôle de l'État, encadrer et écouter les revendications. Pourquoi ils viennent nous dire non, si vous manifestez, vous passez à l'abattoir? C'est parce qu'il y a des enfants de l'intimité à l'autre. Oui. Sinon, je ne comprends pas comment un homme peut nous dire si on s'intéresse, on encourage l'État à l'étier. Mais l'État est ce qui fait nous-mêmes. On les nourrit, on les habille, on paie leurs munitions, on paie leurs armes. Ils n'ont pas le droit de pied, normalement. D'accord. Ben, il y a un autre appel, il faut que je vous laisse. Ok, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci à bien, Chamba. Voilà. Oh, il y a quelqu'un qui a appelé. Celui qui a appelé là, je vous rappelle. Hein. Qui a le numéro qui termine par 60 là en France. Je vous rappelle, hein. Inch'Allah, je vais vous appeler là. Farigamati Dramatoba, mais ça tourne. On a fallu n'abe amato afaina. 62. Allô? Allô, excusez-moi, vous avez appelé tout à l'heure, je vous rappelle. Nous sommes en direct, hein? D'accord. Merci. Comment ça va? Oui, ça va. Ça va très bien. Donc, on vous écoute. Merci. Pardon? Allô, oui, non, il y a un fait, d'accord. Ah, Moudiam. Non, parce que j'ai l'élection de moi. Quand les Guinéens ont une élection, ils ont une élection. Ils ont une élection. Je ne sais pas si vous avez un problème.
Donc, dans le cas, il faut qu'on ait un peu de temps. 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 Il ade ay dane e je mo le ka fa election ko man jito mo wonya lo te mo ka di nya tin kala ka tu tin do ko ko kay ka won di loye te mira di fere mo na kanu na kire mara ko ti wala fa de dal wo nya ni te nya ya na kan na wo mira da fere ala mo mo won tam ba de le gine election te ku parce won bara won be ala kire ja khatima fule si mi en finne mala gine men gara ata fule ata da ko na nan ku botera ba won tam ba mo kon te fili wallahi mo ngale ginelu mo ko be banto wala ngale kire mara ka ala na ka gaira na ka mo e ba mo rote ga popo dana mo la ka be ele ton dana mo papa an ka ko ne gire nya to ngana na kan gire mo to ala ka me de faka ima to ina ya ba ka fa de den beto ala le na ka me de faka pa ndi ba tran pa na ka me de faka ma ka puto na ka mo yo ko de den fanna na ba ti awa abala la khe mo kele ma khale gine te mo kele ka ti e ka ka te ka fule ba ne ni da han wo fa ka wo ma ko ma la ram de de Comment on parle de la terre? Adi, normalement, adi. Et moi, imam, n'est pas là, parce que là. À ça, c'est fini, il faut la faire. Et vraiment, vous voulez vous aller, maman. Vraiment, vous voulez vous aller, vous voulez vous aller, maman. À vous, vous ne vous en avez pas. Vous voulez vous en avez. 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 Vous Ah, on va aller. Pour les raïfés, Adam Dios à Nibu. Alors, on va voir ça. On va voir ça. On va voir ça. Elle dit que les gens qui, je traduis, on ne peut pas traduire mot à mot, je globalise. Les gens qui disent que Dalem ne devait pas se présenter comme ci, par là, c'est des gens qui n'ont rien à dire. Alpha s'est battu 40 ans. Oh, tout, chaque fois qu'il y a manifestation, quand il y a 5 manifestants, il y a au moins 2 morts. Je ne sais pas si c'est, je me rappelle du chiffre ou pas. Et donc, si Alpha dit que c'est Dalem qui tue ses militants, ça veut dire qu'au moment du RPG, au temps de pointer, ceux qui mouraient là, c'est Alpha aussi qui, c'est le RPG aussi qui tuait ses militants ou quoi? Donc, cette affaire de peuls-là, jamais un peul ne va prendre le pouvoir. Mais il y a des peuls, imams, les peuls sont chez eux. Si on ne règle pas cette histoire de peuls-là, là, les Guinéens ne vont jamais dire Alhamdoulilah, et puis elle a fait des. elle les a maudits. Donc, globalement, c'est un peu ça. Donc, c'est la, les gens en ont marre. Les gens en ont marre. Et moi, j'en veux aux autres ethnies. J'en veux aux autres ethnies qui sont là. Les réseaux sociaux ou ailleurs, les bras croisés, ils sont assis, ils regardent leurs frères et sœurs mourir, des humains comme vous, même quand vous n'êtes pas du même pays. C'est pour se dire que non. Vous pensez que si c'était un soussou, ce qu'on fait à Dalena, on allait lui faire, ou un malinqué, jamais. On ne peut faire ce que ça à un peuple ou à un forestier, au-delà. Parce que ce sont deux les soussous couleurs. Qu'on a dans mon aide, c'est là. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, comment ça va?
Ouais, ça va très bien. Oui, chez vous. Ah, ça va, alhamdoulilah, Dieu merci. J'aimerais un peu intervenir là. Allez-y, on vous écoute. Je vous ai écouté depuis le début. Vous avez dit un mot tout à l'heure là. Ce mot-là était très, très important. De savoir que vous voulez avoir la preuve que Selou n'a pas gagné les élections en Guinée ou bien s'il a gagné les élections en Guinée. C'est un thème qui est très, très important. Tout d'abord, il faut qu'on arrive à savoir que la politique, ce n'est pas la religion. Mais c'est Dieu qui donne le pouvoir. Le... Bien. Oui, la survie, Et mon frère, la santé, dépend. Dieu, il est omniscient, il est omnipotent, il est sage, il est partout. Donc, il est dans tout, sauf dans les toilettes. Allons-y. Donc, OK, moi, c'est bien merci Dieu bien, dans tout. madame. Tout d'abord, je vais vous dire que Dieu, c'est lui qui est le créateur des cieux et de la terre. Oui. Et Dieu a créé son pouvoir à l'être humain. C'est Dieu qui a créé l'être humain et puis lui a donné l'intelligence nécessaire pour pouvoir gérer son propre vie. Car à la timiri naranye, Oui, allez-y. il ne donne pas l'intelligence, il serait comme un fou, bien comme. Voilà. C'est une manière de dire que Dieu nous laisse gérer notre vie. C'est pourquoi les blancs sont organisés plus que nous, les noirs. Parce que nous, les noirs, on pense que Dieu va venir faire tout pour nous. Maintenant, en ce qui concerne les élections présidentielles en Guinée, les élections présidentielles en Guinée, pour te dire, c'est que ce n'est pas la religion. Les élections présidentielles, c'est juste un jeu politique. Dans ces jeux politiques-là, il y a un gagnant et un perdant. Je prends tout simplement, pour ne pas être long, l'exemple de M. Laurent Gbagbo. Quand il dit que la Miss Côte d'Ivoire n'est pas la plus belle Miss au monde, mais c'est celle qui a été choisie par les jurys, qui ont été choisis par les compétiteurs eux-mêmes. Dakar, Excusez-moi, celui qui Guinée, appelle là, celui qui mais appelle, il c'est faut rappeler. Il y a déjà quelqu'un en ligne, s'il vous plaît. Allez-y, mon frère. Monsieur Selou d'Alain Gallo, lui-même, il est tombé d'accord d'aller aux élections et de respecter les institutions et d'accepter les résultats qui vont sortir des urnes. Lui-même, sa personne, il avait des gens qui étaient dans la CENI, aux commissions électorales indépendantes, qui le représentaient. Tous les partis politiques ont leurs représentants là-bas. Maintenant, si vous signez des documents pour dire que vous partez aux compétitions, et que vous allez accepter les résultats qui vont sortir des urnes, vous êtes obligé de vous soumettre aux institutions du pays. Ce qu'il a fait était tout à fait républicain d'aller aux élections, c'était de son droit, et d'accepter aussi les résultats qui vont sortir de ces urnes-là, qui seront donnés par ceux qui ont organisé ces élections. C'est ça qu'on appelle le jeu démocratique. Dans tous les pays démocratiques du monde, dans tous les pays civilisés du monde, quand ces résultats-là sont acceptés par les populations ou par les leaders politiques, c'est ce qui amène la paix dans un pays. Mais chaque candidat ne peut pas donner ses propres résultats. Si la CENI avait dit que c'est M. Selou qui avait gagné les élections, c'est que c'est lui qui a gagné les élections. D'accord, Si la CENI dit que c'est M. Alpha qui a gagné, c'est que c'est M. Alpha qui a ça gagné. fait 3 minutes 48 que vous, 40, 50 que vous parlez, je ne vous ai pas coupé. Je vais un peu vous répondre parce que ici, c'est moi qui fais la Allez-y. loi. Voilà. Donc, déjà, vous Allez-y. dites que c'est un jeu. La politique, c'est un jeu. Mais moi, je ne pense pas que ce soit un jeu pour des pays comme la Guinée. Parce que là, on est en train de prendre l'avenir d'un pays comme un jeu. Pour moi, ce n'est pas un jeu. Un. De deux, si vous dites que celle ou qui que ce soit doit respecter les institutions, déjà, il n'y a même pas d'institution en Guinée, je sais de quoi je parle. Il n'y a pas de loi, rien n'est respecté. Et c'est un jeu d'enfant pour que quelqu'un triche dans les élections en Afrique. C'est un jeu d'enfant. Ce n'est même pas en Afrique. Si vous voyez, on va prendre l'exemple des États-Unis. Si vous voyez que Donald Trump n'était pas d'accord avec ses résultats, moi, je ne me suis pas compris avec les gens. Parce que les gens disaient, oui, Trump, il est malade, comment on peut le tricher, c'est comme si, c'est comme ça. Moi, j'ai dit aux gens, j'ai dit, mais si Trump dit cela, c'est parce que lui, il a réussi à tricher pour venir au pouvoir. Donc, la façon dont il a triché, c'est possible que les autres trichent. Il faut voir les choses sous cet angle-là. Donc, en Afrique, ce n'est pas seulement la Guinée.
en Afrique, tricher aux élections, c'est un jeu d'enfant. C'est le minimum. La situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, le seul responsable, c'est Alpha Condé. Le seul et unique responsable. Il aurait pu présenter quelqu'un d'autre du RPG, beaucoup plus jeune. Cette personne face à Dalen, il n'y a pas match. Même s'ils avaient triché, tout le monde aurait dit à Dalen que lui, donc franchement, à ton âge, retire-toi. Mais tu falsifies tout. Moi, je me suis battue pour la Constitution, pour qu'il y ait de nouvelles personnes. Voilà. En ce moment-là, aujourd'hui, les gens ont la bouche. Hein. Il y a des gens qui ont leur arrière-grand-parent du RPG qui parlent aujourd'hui. À ce moment-là, dire RPG, tu vas bien regarder à gauche, à droite avant de parler, sans même dire que lui a la Constitution. Mais on t'aide à te débarrasser des autres et toi, tu es encore là. Ça n'a pas de sens. Si la Guinée est une famille, on sait comment 2010 s'est passé. On sait comment 2015 s'est passé. Si la famille, la Guinée est une famille, ethniquement, politiquement et tout ce qui s'ensuit, Alpha ment sans arrêt, je suis désolée de dire ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de parole. Ça, ce n'est pas un débat. Alpha n'a pas de parole. Il ne respecte pas ses engagements. Il ne respecte rien. Il méprise les Guinéens. Il méprise les hommes politiques, mais il méprise le peuple guinéen. Parce que quelqu'un qui s'arrête, qui tient des promesses, c'est-à-dire comme s'il nous prenait pour des imbéciles. À un moment donné, il faut arrêter avec ça, mon frère. À un moment donné de la vie, il faut se respecter. Pour que les gens puissent se respecter, il faut que ce soit réciproque. Donc, moi, où je suis aujourd'hui, cette victoire, nous allons la réclamer. Nous allons la réclamer hors de la Guinée. Parce que c'est cette diaspora qui fait vivre la Guinée. Voilà. S'ils veulent nous fusiller, parce que moi, je reçois tout le temps des menaces. J'ai été insultée. Tout le monde, je ne regarde pas les gens. Je ne les regarde pas, mais je sais qu'ils ont insulté, ils se sont fatigués peut-être, ou ils se reposent. Je ne sais pas. Mais là, c'est mon droit de manifester. Je ne suis pas de l'UFDG. Ça, c'est de montrer que je ne suis pas avec Alpha. C'est de montrer que cette dame Soussou qui a parlé, elle a bien parlé. C'est cette affaire de Peul qui est en train de nous fatiguer. Okay. Ce n'est pas autre chose. Madame Tissot. Voilà. Et là, laissez-moi finir. Vous avez parlé pendant quelque temps. Moi aussi, je vais un peu parler. Oui. Et c'est cette histoire de Peul-là qui est en train de fatiguer les gens. Et c'est ce qui m'énerve. Les gens s'appuient sur cela pour faire jarre tous contre eux. Et les autres ethnies sont là. Jarre, ça les arrange. Comme aujourd'hui, ils sont en train d'affaiblir Dalen parce que les autres ethnies veulent se positionner. C'est tout. Ce n'est pas parce qu'ils aiment Alpha, hein. C'est parce qu'ils veulent se positionner et ils savent que ça, c'est leur calcul. Alpha va mourir dans un an. Il va mourir dans 2 ans. Ça, c'est leur calcul. Mais Alpha peut vivre encore 20 ans. Pourquoi pas? Personne n'a le monopole de cela. Il peut vivre même, je ne sais même pas combien d'années. Personne ne peut dire qu'il peut vivre demain ou après-demain. Personne n'a ce truc-là. Donc, vous voyez, moi, c'est ça que je propose. La réclamation de cette victoire, elle peut se faire même pour l'étranger. Nous faisons vivre ce pays-là. L'État n'existe pas. Mon frère, tu ne peux pas me dire que Dalen doit respecter ci ou ça, tandis que Alpha n'a jamais rien respecté. Il n'a jamais rien respecté. Respect, c'est-à-dire respect chez Alpha, c'est-à-dire ça n'existe pas dans son dictionnaire. Vérité chez Alpha, ça n'existe pas dans son dictionnaire. Il ment tellement que même les RPG pensent que la politique, c'est mentir. Quand vous dites que c'est un jeu, la politique n'est pas un jeu pour les Africains. Ils veulent survivre grâce à cela. C'est un jeu pour les Occidentaux. C'est un jeu pour les Occidentaux. Mais pour la Guinée, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Voilà. C'est comme celui qui a dit tout à l'heure que dans tous les pays d'Afrique, les gens meurent, mais les gens meurent beaucoup plus en Guinée quand même. Hein. Voilà, et ça, c'est pas normal de dire que chaque fois qu'il y a élection, chacun a la boule au ventre. Mais attends, pourquoi? Donc, je vais vous laisser, en gros, c'est cela. Dalen n'est pas obligé de respecter les résultats de Alpha. C'est quelqu'un qui ment. Oui. Un menteur, même quand tu dis la vérité, on ne te croit pas. C'est ça le gros souci. Madame Sekou, voilà. Si vous me permettez. Je vous permets 2 minutes. Alpha Condé peut être un menteur, comme vous êtes en train de le dire. Moi, je ne vous conviens pas. Il peut être un dictateur, il peut être tout ça. Mais en réalité, en matière de démocratie, madame... Mais il n'y a pas de démocratie en Afrique. La population de sanctionner... Écoutez, madame, c'est la population de sanctionner un dictateur. C'est aux populations de sanctionner un menteur.
Mais si vous voyez encore que dans le pays qu'on appelle la Guinée, Alpha Condé continue d'être président de ce pays, c'est que la population de ce pays continue de le soutenir. Oui, et quand il y a l'armée à tous les carrefours. Merci beaucoup, mon frère. Au revoir. Vous avez mis l'armée un peu partout et les gens vont sortir pour quoi faire. Franchement, hein, même quand on parle de manifestation, il y a des gens qui écrivent ici ouvertement que vous envoyez les gens à l'abattoir. Vous voulez que les gens fassent quoi? Tout en sachant qu'ils vont aller mourir. Hein? Qui va savoir que là où je sors, là, peut-être je ne vais pas revenir. C'est très courageux pour les gens qui sont toujours sortis manifester pendant ces 10 ans. On leur dit chapeau. Oui, ceux qui les appellent des moutons, c'est vous des moutons. Parce que sortir manifester tout en sachant qu'il se peut que je ne revienne pas chez moi. Il faut le faire. Il faut aimer son pays. Oui, donc ceux qui ne veulent pas les peuples au pouvoir, c'est vous qui voulez le malheur de ce pays-là. Et vous dites que ce sont les peuples, les ennemis de la Guinée. C'est vous les ennemis de la Guinée. Toutes les ethnies, toutes les quelques personnes de toutes les ethnies, parce qu'il y en a dans toutes les ethnies, un peu dans toutes les ethnies qui pensent cela. Vous n'êtes pas ennemis de la Guinée. Vous êtes ennemis de l'humanité. Vous allez me voir sur votre chemin, Inch'Allah. Moi, il fait l'oumanara, là. On peut payer pour vous. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Ouais, je vais bien, là. Ah, bienvenue, bienvenue, on vous écoute. Celui qui appelle là de la France, rappelez après rien. Pour l'animation que vous avez en train de faire, vous le faites pour la Guinée et pas pour l'ethnie. Vous le faites. Non, parce que si la Guinée a vous, on nous touche. Mm-hmm. Je vous dis merci à ce côté. Bah, Dieu merci. Vous avez dit la dernière fois, vous avez vu ça au niveau même des personnes qui vivent en Europe, ils voient comment la démocratie, malgré, voilà, et là, on a. Je ne sais pas où vous êtes, mais ceux qui appellent, quand il y a quelqu'un, il y a là. Voilà, c'est pour l'entrée, pour lui, c'est pour l'entrée de la nation, mais comme c'est pas compatible avec la Constitution. Vous avez vu combien de personnes qui se manifestent aujourd'hui dans toute la France. Mm-hmm. Vous avez vu